Victor Osimhen, âgé de 25 ans, attaquant de l'équipe nationale nigériane après avoir conduit à la qualification de l'équipe pour la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023, il récidive en s'avançant dans cette compétition avec une ligne offensive impressionnante qui les qualifie en quart de finale. Au vu de cette CAN, on a un attaquant nigérien, Osimhen, qui est déjà quelqu'un qui n'est pas présenté, puisqu'il est déjà le ballon d'or africain. Et puis au-delà de ça, il est en train de faire une super CAN. C'est vrai qu'il ne marque pas beaucoup, mais il est entreprenant, il fatigue les défenses. À lui seul, il mobilise 2 à 3 défenseurs. Voilà, c'est quelqu'un qui pèse beaucoup et on en a besoin comme ça dans beaucoup d'équipes. Victor Osimhen a été sélectionné pour la première fois en 2015 par la sélection nigériane et comptabilise 21 buts en sélection. Sacré joueur africain de l'année par la Confédération africaine de football, Victor Osimhen fait une saison brillante avec Napoli en Italie, club dans lequel il évolue. Une carrière qui a failli brusquement s'interrompre après une fracture à l'œil gauche. Il a un esprit de groupe, il a un esprit de gagne, il a un défi avec lui-même. Je pense que dans sa tête, il va arriver au bout de cette CAN, c'est-à-dire en finale. Maintenant, la gagner, ça c'est autre chose, mais en tout cas, il va arriver jusqu'au bout. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, Victor Osimhen, 11 ans après son dernier sacre en Afrique du Sud, veut conduire son équipe à la victoire. Pour l'heure, ils devront se qualifier pour la demi-finale ce vendredi 2 février à partir de 17h au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan face à l'Angola.